tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pause. Non, mais j'ai pas continué en fait. Non, non, j'ai fait un quart d'heure allongée. Ma mère devrait m'apporter du tabac, donc j'attends. J'attends, j'attends. Je me demande si ça va pas se transformer en deuxième collier, ce truc-là. Parce que j'ai commencé comme un collier. Gag. Donc ça va être un collier. Juste que je sépare un peu les nœuds, voilà, qui est fait. Et puis, bah, attendez que je vous montre. Voilà. Le début d'un collier. J'ai envie de faire du macramé pour me changer un peu du scrap. Voilà pourquoi, hein, parce que j'y arrive bien. Je crois que je l'ai prouvé. Niveau scrap, disons que si c'est pas. Plus intéressant en ce moment, c'est que j'ai une panne. Donc j'y reviendrai parce que j'ai des choses qui ne sont pas finies. Mais je crois que je vais déjà demain, je suis pas là. Voilà, c'est le seul truc que je peux transporter hein, sans transporter la machine et sans transporter ci et sans transporter les papiers, les machins et trucs. Donc, bah donc ça va être ma micro macramé. Micro, c'est tout petit, hein. Voilà, hein. Tout petit, tout fin, tout mignon, tout, voilà. Ça fait 15h20, 15h05. Je sais plus exactement que je suis réveillée. Alors croyez-moi que j'attends ma cigarette avec impatience. Je crois même que je vais en fumer deux, tellement j'ai envie de fumer. Avec un peu d'écart, hein, par contre. Hein. Ouais. Ah, c'est mieux. Alors j'ai celui-là qui est franchement funky, mais alors il pète. Hein. Et il passe du vert, je sais pas quoi, du jaune, du bleu, du rouge, du orange, du cyan, du violet, du. Ça va être pour les enfants. Vous voyez? Ils vont être attirés par ça. Maman, regarde comment il est beau celui-là! Je les imite bien. Alors, pour info, j'ai mis mon collier, le premier, en vente.
sur Marketplace, ah, sur Facebook. Donc, allez voir à Provins. Alors, frais d'envoi non compris parce que je ne peux pas avancer, frais d'envoi. N'est-ce pas? Donc, c'est à peu près deux timbres, moi je dirais, deux minimum, j'ai mis, hein. Oui, parce que je ne sais pas combien ça est, pèse la pierre. Voilà quoi. Donc, je n'envoie pas sans avoir l'argent parce que je ne peux pas. Oui, hein, mais c'est tout achat est payable d'avance. Normal. Voilà. Voilà. Bon, ce serait mieux si c'était en vente sur Provins. Bon, il est comme celui-ci, hein, il est rétractable. Ah, voilà. Et puis on peut le resserrer au maximum. Voilà. Et déjà pour une première, je l'ai bien. J'ai bien travaillé. J'ai même travaillé à l'aiguille dessus. Ouais. Parce que la pierre ne voulait pas rester sertie. Et donc il a fallu que. Bah, que j'invente un design. Alors là, celle-là, il n'y a pas de problème. Je peux la faire bouger. Elle tombera pas. C'est quand même la deuxième. Et puis elle bouge pas. Hein. Ah, Didine, t'es bien comme ça là, hein? Oh là là, je vais lui parler. Paraît que les pierres sont réactives, enfin actives. Non mais là, moi j'ai un quartz rose. Mais je me réserve. Attendez, c'est un peu trop serré. Je me réserve le rose et le violet. Si. Ouais. C'est le boulot que je fais. Hein. Si je me garde pas des trucs. Ah bah, dis donc. Normal, non? Alors bon, vous inquiétez pas, j'ai plein de perles. Puis il y a des perles en acier inoxydable qui vont arriver. Oui, c'était mes derniers achats.
J'ai eu encore de la colle sur les doigts, mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas touché la colle. J'ai un chat qui vomit, génial. Je viens de ramasser les vomis. Parce que c'est. Ah, j'ai pas vraiment beaucoup de sopalin, donc j'ai pas envie de me mouiller les doigts, hein. Donc j'attends que ça sèche et je ramasse à la pelle et la balayette. Je sais, bon, c'est pas terrible, mais c'est la solution que j'ai trouvée pour bien ramasser. Il vomit ses croquettes, donc c'est que des croquettes en fait, hein. Bon, allez savoir pourquoi. C'est des friskies hein, en plus. Hein. À mon avis, ils doivent se coinfrer. Puis après, bah, ils vomissent du coup. Ah bon, tout à l'heure, j'ai eu la surprise que Domino me fasse par terre. Et bah, j'ai recommencé, je l'ai mis dans sa caisse. Et bah, ça lui plaît pas, hein? Monsieur va prendre l'air. À chaque fois qu'il m'entend ouvrir la porte, il file dans sa caisse. Ah oui, non, mais je démarre pas, hein, tant qu'il par terre, je le mets dans sa caisse. Il arrête. Ou alors il va à la caisse, je sais pas exactement. En tout cas, il arrête. Et puis bah monsieur, tout d'un coup, il recommence. Alors, rebelote. Ah oui, non, mais tant qu'il n'aura pas compris. Ça va être ça. Ah, puis ce matin, ça pue bien. Bonjour. Obligé d'ouvrir là. Hein. Là, c'est ouvert. Oui, non, mais je raconte pas mes petits soucis. Sur l'instant. Voilà. Voilà les petits déboires. Alors, fatigué. Fatigué, fatigué. Je ferais bien une sieste, mais ça marche pas. Ben oui, ben je sais qu'il fait jour, donc voilà. J'en ai d'autres que j'ai pas rangées. Bon, je les rangerai tout à l'heure.
J'en ai ras-le-bol. Je la trouve longue cette journée. Bah, c'est un peu normal, hein. Normalement, je fais 12h, 12h. Je crois que je me suis réveillée à minuit un quart. Donc ça fait 15h15. Pas si. Il n'y aurait pas le chien à nourrir. Je vous jure que je dormirais déjà. Ultra crevé. Je vais ranger les timbres et les tailles. Alors. Je les ai mis. Ouais, comme ça. Ça, je vais les mettre avec ça. Hop là. C'est classé. Et voilà quoi, hein? Bah oui, bah oui. C'est dur, dur. Puis j'ai un de ces mal de ventre. J'ai plus rien en dessous. Non, j'ai plus rien. Par contre, ça, le briquet, la pince. Je vais vous laisser là parce que faut que je libère la ligne. Donc je vous dis à plus et voilà.